Aujourd'hui à Team Kito, on est sur Brookhavener P et on va visiter une maison abandonnée. Mais juste avant ça, like et abonne-toi si tu parais sur la liste. Bon, je te laisse 3 secondes pour t'abonner. 3, 2, 1, merci. Et surtout, oublie pas de t'abonner sur mon Insta, Miss Darkito. Mais où est-ce qu'il est passé, Darkito? Jamais il m'attend. À chaque fois, il part sans moi et tout, moi j'en ai clairement marre. Darkito, maintenant t'arrêtes, je veux tout le temps partir sans moi. Je t'explique, quand tu me vois pas, bah tu t'arrêtes et tu fais mi-tour, non? C'est pas compliqué. Bon, et sinon, fais quand cette voiture? Et pourquoi s'il y a une araignée sur la voiture? Elle est bizarre. Tu l'as achetée quand? Bah, je l'ai pas achetée, tu sais, j'ai fait la recherche des bonbons d'Halloween. Bon, en tout cas, il faut vraiment que je te montre ça. Tu sais quoi? Cette nuit, on va passer une nuit vraiment incroyable. Allez, viens avec moi parce que j'ai une maison à te faire visiter. Tu sais, l'espèce de maison abandonnée au nord de Brookhaven. Allez. Franchement, ça va être trop bien. Bon, t'as pas peur, j'espère. Attends, attends, tu viens de me dire qu'on va passer une nuit incroyable. Moi, j'imagine, je sais pas, un spa, un hôtel, des massages, se faire les ongles, des shopping, quoi. Et tu, là, tu me sors une maison abandonnée. Mais pour qui tu me prends? Bon, moi, je sors de là. Franchement, et n'importe quoi. Il a cru comme quoi j'allais avoir peur, en plus, ici. Mais vraiment, mais Darkito, oh là là. Attendez, il y a une énorme araignée au-dessus de la maison. Une araignée, j'ai peur des araignées. Darkito, 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 vite. Attends, attends de partir, il y a une énorme araignée. Elle est vraiment gigantesque, s'il te plaît. Enlève-la, enlève-la. Mais t'inquiète pas, je pense que c'est quelqu'un qui a dû mettre cette araignée-là comme ça. Je suis sûr qu'à l'intérieur, il ne doit pas y avoir d'araignée. Allez, viens avec moi, ma chérie, t'inquiète pas. En plus, tu sais quoi? Elle est vraiment trop belle, cette maison. Oh, une part de pizza. La pizza, elle était... Comment ça? La pizza était pas bonne. Elles sont toujours bonnes, les pizzas. Je comprends pas, moi. Darkito? Darkito? Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Réveille-toi, s'il te plaît. Je veux pas être toute seule dans une maison abandonnée. Attends, Darkito? Réveille-toi. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Je vais me réveiller. Je vais me réveiller. T'inquiète pas. Je suis pas bien, je suis pas bien. Bon, je vais me lever. Oh, il faut que j'aille aux toilettes. Oh là là, sont où les toilettes déjà? Oh non, je sais pas si on va vraiment bien dormir en fait ici. Pourquoi j'ai voulu prendre une maison abandonnée? Bon, ça va, les toilettes sont propres. C'est parfait. Et vous avez pas me regarder quand même? Oh non, il va commencer à faire nuit et je suis dans une maison abandonnée avec une énorme araignée tuée et une pizza qui rend malade. Comment je vais m'en sortir? Je crois que j'ai besoin de regarder la télé un petit peu. Ouais, ça va un petit peu mieux. Bon, je vais me laver les mains. Oh là là, c'est quoi cette maison? Bon, allez, on ressort d'ici. Oh là, c'est n'importe quoi. Par contre, je crois qu'il faut pas sortir d'ici. Tu sais quoi? Je vais fermer la porte parce que je crois que l'énorme araignée peut rentrer si on laisse la porte ouverte. On va éteindre les lumières. On va éteindre toutes les lumières, on va juste mettre un petit peu de cheminée. Et tu sais quoi? On va regarder un petit peu la télévision ensemble. Oh, je me sens pas bien, je me sens pas bien. Je rêve où il a peur. Hé, Darkito, c'est toi qui as décidé de venir ici. Donc maintenant, bah écoute, t'assumes, hein, parce que moi aussi, en vrai, j'ai vraiment super peur. On devrait pas, je sais pas, regarder un peu toutes les pièces, voir s'il y a pas d'insectes, ou s'il y a pas de fantômes, ou de sorcières, ou de je sais pas, un truc dans le genre, non? Tiens, t'es un garçon. Franchement, tu peux le faire toi, tu vois. Tu me protèges, non? Oui, je vais le faire. Ah, attends, y a quoi comme truc à la télé? J'espère qu'il n'y a pas des trucs d'horreur. Oh non, il y a vraiment des trucs qui font peur parfois aussi, quand même. Bon, ça va, ça devrait le faire normalement. Bon, je vais voir quand même, allez. Hop là, oh, attendez. Regardez ce qu'il y a de l'autre côté. Attends, ma chérie, il faut qu'on... Oh là là, il y a une piscine. Oh là là, mais attendez, je vais aller me baigner dans la piscine. Comment je fais pour sortir d'ici? Il n'y a pas une porte ou quoi? Bon, on va sortir par la porte d'entrée. Ma chérie, tu viens avec moi, on va à la piscine. À la piscine? Comment ça, il y a une piscine ici? Dans une maison abandonnée, il y a une piscine. Oh là, c'est une blague, c'est une blague. Une piscine ici? C'est la seule chose qui est en bon état. Franchement, oh, je suis trop bien ici. On peut faire des longueurs, elle est super grande. Oh non. Oh non, non. Ça fait vraiment super peur. Darkito? T'es sûr qu'elle appartient pas à quelqu'un, cette maison? Oh non, 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 je suis sûr qu'elle appartient à personne. Je suis vraiment sûr, par contre, il commence vraiment à faire nuit, ma chérie. Je suis pas bien aussi. Alors moi, par contre, je t'explique, il y a un truc qui me fait vraiment peur. C'est que j'ai une question à te poser. Où sont les propriétaires? Que s'est-il passé dans cette maison pour qu'elle soit abandonnée? Tu connais l'histoire, au moins, de ce qu'on raconte dans Brookhaven, hein? Quelle histoire? Eh bien, on raconte qu'avant, ici, il y avait une sorcière, tu vois, qui recevait du monde. Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'elle a eu plein de clients qui sont venus et ils ont tous disparu un par un et on les a plus jamais retrouvés. Et c'est
quoi la suite ? Ben la suite, c'est qu'on raconte du coup que les personnes qui ont disparu enterraient cette maison et que la sorcière resterait toujours en ville. Et d'ailleurs, tu te rappelles ? J'ai vu une sorcière, donc peut-être que c'était elle ? Et peut-être qu'il y a vraiment des personnes qui sont en train d'hanter cet endroit. En tout cas, c'est une histoire qu'on répète à tous les enfants. Attends, je sais ce que ça veut dire. Bouge pas. Voilà, oh là là, faut pas qu'elle bouge. Je crois que j'ai découvert un truc tout à l'heure. Je crois que j'ai découvert quelque chose tout à l'heure, faut vraiment que je lui montre. Ah, il est où le placard déjà? Ok, c'est ici. Ah, c'est ce truc là. Bon, je vais le garder dans le dos parce que moi, ça me fait vraiment peur de le porter. Regarde ma chérie, regarde ce que j'ai trouvé, regarde ce que j'ai trouvé, regarde ce que j'ai trouvé. Bah c'est quoi ce truc là? Oh, attends, c'est un balai de sorcière. T'as trouvé le balai de la sorcière qui habitait ici? Tu te rends même pas compte de ce que cela signifie. Ça signifie qu'elle a jamais disparu. Oh là là, c'est vraiment n'importe quoi. Tu sais quoi, viens, on va à l'intérieur. Oh là là, j'ai vraiment peur, moi ça commence vraiment à me faire peur cette histoire. Bah écoute, moi aussi je vais aller voir l'intérieur. Mais tu sais, je pense que c'est rien, parce que tu vois, on raconte ça aux enfants, mais bon, tu sais ce que ça veut dire. C'est comme un petit peu les légendes. On en parle, mais il s'est jamais rien passé, et c'est souvent pas la vérité. Oh non, y a quelqu'un qui arrive? Mais c'est qui elle? T'as pas invité notre fille quand même, hein, dis-moi. Quoi? Je pense qu'on va pas la faire rentrer, non? Darkito? Mais bouge un peu, s'il te plaît, là! Je peux pas être toute seule! Oh non, elle est rentrée! Sauvez-moi! Je suis poursuivie! Il faut que j'aille me cacher, que je me cache grand moment! Je vous laisse! Moi, je m'enfermais, restez pas dans la cuisine, enfin, restez pas là! Elle va venir, elle va tous nous ensorceler! Et on se souviendra même plus de prénom, plus de rien! Moi, c'est bon, je pars! Voilà, c'est pire que ce que je pensais. Je ferme la porte. Tu sais quoi, chérie, il faut que je ferme les volets aussi. Voilà, j'ai fermé les stores. Voilà, ça me fait vraiment peur cette histoire, moi. Tu sais quoi, en attendant, je vais commencer à faire à manger. Non, c'est vrai qu'il n'y a rien ici, en fait. Il y a peut-être... Oh, il y a des trucs à manger. Je suis pas sûr que ce soit encore... bon, je crois que c'est un peu périmé. Bon, viens, on va regarder un peu la télé. Ça me fait vraiment peur. Oh là là, non mais n'importe quoi, tu la crois en plus. Moi je suis sûre que c'était une pauvre fille, tu vois, je sais pas moi, qui a vu peut-être une petite souris en ville et qui s'est dit « Ah, pourquoi j'entrais pas dans cette petite maison abandonnée ?» Et puis c'est pas chez nous, en plus c'est abandonné. T'inquiète pas, c'est rien. Et Darkito, c'est quoi ce bruit là-bas? Il se passe quoi? Oh non, je crois que je suis en train de rêver. Dites-moi que vous êtes pas réel. C'était vous en fait? Alors, vous êtes bien servi de votre pouvoir? Mais quel pouvoir? J'en ai pas, moi. Le pouvoir que vous m'avez donné? Oh, à l'hôpital? Ah oui? Ben, j'en sais rien. Écoutez, moi, je vous laisse. Je crois que je suis en train de rêver, là. Attendez. Oui? Le pouvoir, c'est que vous pouvez faire ce que vous voulez à Darkito. Et il dira toujours oui. Mais sachez que si un jour le secret se sait, vous perdrez le pouvoir. Alors, faites attention à être bien discrète. Ok, c'est noté. Je crois que je suis vraiment en plein rêve ou en plein cauchemar. Je crois que je vais aller dormir. Bon, ben, merci. Franchement, je crois que je perds la tête. Darkito, on devrait aller dormir dans le lit, là. Je suis vraiment super fatiguée. Oui, y a pas de problème, mon amour. Tout ce que tu voudras. Tous tes ordres seront des désirs. Ou tous tes désirs, des ordres. Je crois que ça se dit comme ça, un truc comme ça. Allez, on va dormir dans le lit. Bonne nuit. On piche. Oh non, je crois que c'est mon pouvoir magique qui commence à faire effet. Non. Bon, ben j'espère que je vais me réveiller dans le lit et que ce sera une grosse blague et qu'il ne se sera rien passé en fait. Bon, ben bonne nuit. Darkito, tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que la sorcière, en fait, elle est pas méchante. Ah non, c'est vrai, t'es pas au courant. Non, j'ai rien dit. Rendors-toi. Au revoir, ma petite sorcière. Au revoir et à bientôt! Bonne nuit! Bon ben les amis, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et à regarder d'autres vidéos! Bon ben en fait c'était peut-être pas un rêve